des attaches. De toute façon, on le voit bien, elle est cassée. Voilà. Ce qu'on appelle les attaches manuelles. Et celle-ci qui vient d'échanger, elle avait subi un coup de foudre. Et au moment du remplacement, elle a rompu. Et on n'aurait rien fait, elle aurait rompu dans les mois, les semaines et les mois à venir. Et on aurait eu un incident parce que le film serait tombé. Il serait créé une rupture et on aurait eu une coupure de courant. Alors ce qu'on fait, on les remplace par des nouveaux isolateurs. Et... On va passer sous l'eau. Et puis on remplace ce qu'on met. C'est un nouveau système, un mécanique. On vient poser dessus. On va peut-être dévisser. Déjà, c'est plus rapide à mettre en œuvre, plus facile à remplacer. Ça a une meilleure résistance au temps, aux intempéries. Et voilà, on vient bloquer le fil. On va remettre le fil là. On referme. C'est l'avantage de. Ça facilite la maintenance et ça facilite aussi la. Voilà, la meilleure durée dans le temps de. Ah, le gars, vous voyez comment il travaille, non? Qui est en haut des poteaux là. C'est attaché, il est en sécurité. Elle est articulée. Voilà. Là, elle est articulée, okay. Et on rajoute une chaîne d'iso. On rajoute un ancrage et on refait cette fixation qui va avec le temps. D'ailleurs, on voit celle-là. Hein. Ouais. Ça, c'est pareil. Donc on a fait ça. Donc. Puis ça, c'est du serrage mécanique. Maintenant, on fait ça en sertissage. Donc, c'est plus fiable dans le temps aussi. C'est serti sur le fil. Puis après, ça permet de mettre des ponts isolés, protection à bifone. Et puis. Une intervention plus rapide sur la ligne après, parce que c'est des fixations mécaniques quoi. Encore là, il n'y a pas de tête, mais il y a des endroits où vous pouvez avoir des actes. Voilà, ils viennent refermer sur le tas. Voilà.